Bonjour à tous, c'est Céline Scrap, ou plutôt je devrais vous dire bonsoir. Ah, il est quasiment 8h, il est 8h passé même. Ben, je suis chez ma grand-mère, donc ben, ça va de mieux en mieux, puisque cette semaine j'ai mon fils, donc je suis encore chez mes parents, puisqu'il faut que je lui achète un petit lit, et la semaine prochaine, eh ben, je serai ici, enfin. Bon, il y a beaucoup de bordel, il y a beaucoup de choses à ranger, donc ben, je m'y attelle un petit peu petit à petit, même si je me laisse pas mal envahir. Je dois l'avouer, je réalise pas. Et en plus, vous voyez, gros craquage à noces. Gros craquage à noces, je dis que je prends plus rien et puis quand j'y vais, je deviens folle. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Par contre, pour équilibrer les choses, à Action, il y avait quasiment rien. Ensuite, je voudrais saluer mes nouveaux et nouvelles abonnés. Ravie de vous retrouver. Ensuite, pour continuer, ben, j'ai scrappé cette semaine. Enfin, j'ai surtout fait du Project Life. Alors, sur ce Project Life, il y a beaucoup mon fils. C'est pour ça que je ne vous le montre pas. Ou j'essaierai de mettre des post-it pour cacher son visage. Parce que ben, même s'il est apparu sur quelques vidéos, mon choix préfère, ben, je montre mon visage, c'est moi, c'est mon problème, c'est mon choix. Je l'assume. Mais lui, voilà, c'est un enfant, il est mineur. Donc, moi, je ne veux pas l'exposer et les membres de ma famille aussi. Voilà. Donc, je fais ce choix. Donc, pour revenir à nos moutons, ça fait du bien de scraper, énormément de bien. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, vous avez vu ma story dimanche après-midi, bah, fait du Project Life. Le problème, c'est que quand je fais du scrap, j'envahis. J'envahis, Lucina. Voilà, et puis tout le bordel qu'il y a. Enfin bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, maintenant j'attends le passage de mes tantes pour qu'elles récupèrent les affaires qu'elles souhaitent dans la maison. Le mobilier, tout. De toute façon, moi j'ai mes meubles. Ça ne me gêne pas du tout. Voilà. Donc pour en revenir à nos moutons, lundi, donc aujourd'hui on est mercredi. Lundi je suis allée à Nos et là on m'a perdue. C'est le mot exact. J'ai craqué mon slip. J'aurais jamais cru autant et puis voilà. Et puis je dis je prends plus rien et puis voilà. Je remplis une poche entière. Voilà. Pas de commentaires. Voilà. Donc, on va commencer de suite par vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté. Je vais commencer par Action parce que ça va être super rapide. Pour le scrap, j'ai pris ça, des glitter dots. Des glitter drops, pas d'autres, drops, pour faire des enamel dots. Alors, j'en ai pris les vertes parce que j'avais déjà pris les roses, les couleurs noires et les couleurs dorées. Et donc, du coup, j'ai pris les vertes parce que je trouvais que c'était. Elles sont assez translucides, je trouve, mais elles donnent pas mal. Ça donne un petit côté brillant, c'est plutôt joli. Donc, revenons à nos moutons. Ah, non. Ce qui est scrap, mais qui n'est pas de l'arrivage Artemio. Voilà, j'ai pris ceci. Carte et faire-part de l'édition Marie-Claire. Ça valait 2,50 €. Donc, dedans. Vous avez comment faire des petites cartes, des petits faire-part. Bon. Moi, j'aime bien un peu de lecture en fait. C'est celui-là qui m'a beaucoup plu, même si je l'ai déjà fait pour le baptême de mon fils. Pas en faire-part, mais en menu. Voilà, donc j'ai dit, je vais le prendre. Donc ça, c'était en dehors de Artemio et des dice de chez Dokraft, enfin, First Edition, First Edition. Voilà, alors, chez Artemio, le bac était plein. Je pense qu'il venait de le mettre, donc c'était lundi. Alors, il y avait pour commencer plein d'encreurs. Alors, plein, vous voyez, j'en ai rempli un petit carton, donc des Colorbox, de la marque Colorbox. Donc, il y avait des gros, voilà, qui valaient 99 centimes. Donc, il y a violet. Je pense que vous pouvez prendre un café ou un thé pour passer le temps parce que ça va être très long. Wisteria. Il y avait pistachio.
il y avait Chetna Swan, une espèce de marron, et Cooper. Voilà. Alors ça, attendez, un autre, donc qui était bleu, Sky Blue. Voilà. Pour continuer, donc, alors, ce qui valait vraiment le coup, c'était ces Color Box. Voilà. Dedans, vous avez 6 encreurs. Voilà. Donc, le thème, c'était Baby Breath. Alors, moi, j'en avais acheté au tout début que je scrapais, donc facilement plus d'une dizaine d'années. Et j'avais payé ça, je crois que 7 ou 8 euros, j'avais payé ça une fortune. Et des 4 size, voilà. Et ça, je l'ai payé 79 centimes. Si je commence à faire tomber, voilà. Ça, ça peut tomber, c'est pas gênant. Donc, vous voyez, il y a des roses, des bleus, des mauves. Des couleurs très naissance. Donc, ça, c'était 79 centimes. Ça valait vraiment le coup. Ensuite, il y avait des color box petites. Comme ceci, à 79 centimes. Donc, j'ai pris Blue Iris. J'ai pris Ruby. J'ai pris Fresh Green. J'avoue qu'entre les emballages et le couvercle, vous n'allez pas voir. Cooper. Alors, en fait, je viens de me rendre compte que c'était de la même couleur qu'un petit. Mais bon, pour 79 centimes, j'ai envie de dire. Royal Blue. Et alors, que j'ai pris en deux fois, c'est du Chalk Alabaster. Je crois qu'il y a marqué. Donc, c'est blanc, en fait. Et j'en ai pris deux. Alors, on voit strictement rien. Chalk, c'est type encre. Voilà. Alors, je vais essayer de ranger un peu pour le bruit. Désolé. Mais comme ça, parce que... Donc, cher Artemio, par contre, en commentaire, si vous pouviez me mettre comment vous repérez la collection, le nom de la collection, parce que j'ai acheté plein de choses, en dehors de la couleur de la bannière en haut, vous voyez, qui est différente en fonction des collections, je n'ai pas trouvé le nom de la collection, parce que j'aimerais bien retrouver le nom des collections, des différentes collections, pour me les ranger. Parce que je fais mon rangement que je vous avais expliqué à chaque fois, c'est-à-dire dans des pochettes transparentes, rangées les unes après les autres. Donc, avec la couleur, j'essaie de m'y retrouver. Donc, on va commencer par ces autocollants qui sont un peu puffins. Donc, ils sont recto-verso et qui valent 1,20€. Voilà. Alors, il y avait plusieurs collections. Il y avait celle-ci aussi, toujours dans les 1,20€ dans les tons très pastels. On va essayer d'aller vite parce qu'avec tout ce que j'ai à présenter, celui-là qui était dans les, avec un lama, des couleurs hyper flashy. Voilà. Ensuite, un plus petit, mais toujours des petits stickers. Alors, j'en avais déjà un, c'était le pain. Voilà, c'est, je sais pas quelle collection, voilà. Donc, il y avait d'autres choses. Toujours chez... Alors, les pains, c'était 79 centimes. Toujours chez Artemio, j'ai pris ces alphabets qui sont dorés avec un petit strass. Le petit strass m'a plu beaucoup. Et ça, c'était 1,20€. Et j'en ai pris deux. Et souvent, pour le problème des alphabets, c'est quand vous prenez les lettres, eh bien, vous ne trouvez pas votre bonheur. Donc, Alors, là, ce sont les formes en papier avec du foil. Donc, je vous montre un petit peu. Forme en papier dans la collection des pains. Donc, je ne sais toujours pas la collection. Donc, franchement, si vous voyez, si vous me dites les collections, ça serait un miracle. Je serais très contente de me le marquer dessus parce que j'avoue que j'ai aucune idée et j'ai pas su le voir sur le... Donc, ça, c'était 1,20€. Ensuite, j'ai pris des masking tape. Alors, les masking tape, vous savez, à chaque fois, je dis, ah, mais j'en ai plein, j'arrête d'en prendre, et je craque. Donc là, j'en ai pas pris un qui était dans les tons, un tube comme ça, qui était dans les tons de bleu, je ne l'ai pas pris. Il valait 2,99€ pièce. Donc, j'ai pris celui-là
avec le dormeur. J'ai pris celui-là au thème un peu fleuri, on va dire. Et j'ai pris celui-là dans le ton green, un petit peu. Green and Batik. Alors ça, c'était dans la collection, à les ateliers de Karine. J'ai dit si jamais, peut-être ça ira avec. Ensuite, à l'unité, pour 79 centimes, il y avait celui-ci avec des chevrons tout en couleur. Voilà, vous l'avez là. Et celui-ci avec des petites maisons. Hop, si je le mets à l'envers. Voilà. Alors, toujours chez Artemio. Il va y avoir du taf, hein, moi je vous le dis. Je vais envahir la table. Demain, je peux venir ranger. Il y avait ces petits animaux. Alors, moi, j'avais pris les petits robots forme bois. Et là, c'est les petits animaux. Alors, moi, je l'ai pris que pour un animal. C'est le petit renard en forme d'indien. Il est trop mimi. Il m'a fait craquer. Donc, ça, c'était 99 centimes. En matrice, il y avait deux modèles. Un grand qui me rappelait un petit peu la dernière fois. Et les petites lunettes. Alors, les petites lunettes m'ont fait rire. Donc, je les ai prises pour 1,99€. Alors, ensuite, dans les rubans. Donc, il y avait celui-ci qui est dans les tons pastels qui me rappelle un peu celui qu'on a eu à Action. Qui est à 1,50€. Voilà. Après, les rubans sont de très bonne qualité chez Artemio. Alors, je continue. Donc, vous aviez les plumes ensuite. Voilà. Qui sont à 1,50€. Toujours dans cette même collection, vous aviez les charmes. À 1,20€. Voilà. Donc, je me suis dit, même à la limite, cette collection, peut-être la mettre. On a eu des signes. Et alors, il y a eu la collection Once Upon a Time sur Action et une autre collection qui est très récente. Je ne sais plus le nom. Ensuite, j'ai pris ces brades, ces attaches parisiennes, parce qu'elles sont avec des petits pois dessus. Donc, je les ai trouvées super originales. Et ça, c'était 1,20€. Alors, ça, j'ai déjà. Ensuite, qui était au milieu du bac, mais qui n'est pas du tout de chez Artemio, vous aviez ces petits chats en décalcomanie à 50 centimes. C'est marqué à les 4. Prends-toi de 6 cœurs PVC. Je vous montre pas ce qu'il y a en double. Toujours dans la collection des pans, vous aviez les rubans à 1,20€. Voilà, parce qu'on reconnaît un petit peu le dessus. Ensuite, vous aviez ces attaches parisiennes. 20 attaches parisiennes et brads sur le thème du voyage. Ensuite, vous aviez ces rubans à 1,20€. Voilà, sur le thème de l'amour. Bon, mais bon. Pourquoi pas. Toujours dans la collection pan, vous aviez les plumes. Toujours à 1,50€. Alors, j'essaye de... Alors, j'essaye. Il y en a un peu partout. Toujours dans la collection pan, vous avez les autocollants stickers en forme de timbre qui sont recto verso. Voilà. À 99 centimes. Ensuite, sur la collection bonheur, on dirait des grues. Les oiseaux des grues. Un petit thème japonisant. Puffy sticker, toujours. Donc, ça, c'est 1,50€. Dans l'autre collection, toujours, vous aviez ceci à 50 centimes. Voilà. Que les petits chats. Donc, sur le thème de l'amour. J'en passe toujours pareil. Toujours dans la même collection avec les signes, vous aviez les petits autocollants. Voilà. Donc ça, c'était 79 centimes. Dans la collection Artemio, vous en aviez qu'une. C'était une perforatrice de bordure. Elle est magnifique. Bon, j'en ai plein, mais celle-là me plaisait bien. Et elle valait 5,99€. Voilà. Alors, toujours chez Artemio. Alors, on va essayer de vous présenter ça. Alors, ça,
C'est pas chez Aternio, ça. Vous aviez ces planches d'autocollants en 30-30. J'espère que vous arriverez à toutes les faire entrer. Voilà, elles sont à 79 centimes. Donc tout était à 79 centimes. Vous avez celle-ci. Alors, là, c'est que des ronds. Alors, j'ai bien aimé parce que c'est écrit en français pour toi. Et dans la collection des signes, vous aviez ces grands autocollants. Alors, je ne sais pas si vous verrez bien. Alors, ils sont pailletés. C'est pour ça que vous ne les voyez pas bien. Alors, attendez. Voilà. En fait, les signes sont pailletés. Ils sont très beaux. Voilà. Alors, cela était à 99 centimes. Pourquoi? Ne cherchez pas à comprendre. Toujours dans la collection Artemio, mais là, du DIY, pour se réaliser soi-même. À 1,50€, j'ai pris, voilà, ces petits cœurs bois. Alors ça, moi, je trouve très joli pour mettre sur un meuble. Voilà. Donc, ça, c'est... Voilà. Et enfin, j'ai pris cette patère pour faire, voilà. Et elle valait 1,99€. Voilà, vous avez les attaches derrière pour l'accrocher au mur. Pour ça personnaliser et se la mettre au mur. Pourquoi pas même dans votre pièce loisir créatif. Je trouvais ça sympa. Ensuite, dans un autre rayon, il y a eu un arrivage MP. On en a souvent pour du scrapbooking. Et en fait, vous aviez ces perforatrices de bordure. Voilà. Donc, en fait, vous changez la perforatrice du milieu. Vous mettez celle que vous voulez. Voilà. Et vous pouvez perforer, faire de jolies perforatrices. Et ça, c'était 4,99€. Alors, voilà. Et enfin, il y avait le fameux arrivage de Noël. Il y avait pas mal de choses, moi je n'ai pas pris, vu ce que j'avais déjà pris à Artemio, je me suis quand même pas mal calmée, on va dire. Donc vous aviez les May Skin Tape d'Ocraft à 3,50€. Vous avez tout ça. Attendez, ça va bouger comme ça. Voilà. Et là. Voilà. Cela était à 3,50€, donc ça en a bien paquet. Ensuite, j'ai pris ces petits pompons. Vous savez, c'est un ruban avec des petits pompons par-dessus. Ça, c'était 79 centimes et vous avez 1,50€. En papier, il y avait en 20 par 20 de Louis Tiller, Believe Magic, spécial Noël. Enfin, je dirais plutôt hiver. Il y a des papiers à thème Noël, mais il y a des papiers qui font aussi thème hiver. Parce que j'aime bien aussi quand c'est pas hyper tablé Noël. Et donc, il y avait deux dies à 5,99€ pièce. Donc, il y avait le premier qui est sur le thème du, je pense, c'est le workshop. Donc, en fait, je pense que c'est la fabrique à jouer. Donc, j'ai trouvé super mignonne. Vous la verrez mieux là. Voilà ce que ça donne. Elle est hyper travaillée. Je ne sais pas si vous la voyez là. Vous voyez, elle est hyper travaillée, hyper recherchée. C'est pour ça que je l'ai prise. Et la deuxième, c'était la patineuse où il y a marqué Christmas Wish. Les souhaits de Noël. Voilà. Et je vais vous la montrer de l'autre côté. Ça donne ça. C'est magnifique. Voilà. Donc voilà. Vous reconnaissez que j'ai craqué mon slip. Un peu trop, mais bon. Temps à autre, il faut se faire plaisir. Mais là, je me suis fait plus que plaisir. Je me suis même lâchée, je dirais. Voilà, mais ça a fait du bien. Du coup, exceptionnellement, je vous fais la vidéo là, cette semaine, lundi. Je ne sais pas si je vous en ferai une, parce que vu tout ce que j'ai acheté, on va se calmer un petit peu. Donc, on verra bien. Si je vous la fais lundi, c'est avec plaisir. Je vous la ferai. J'espère que je dormirai ici. Vraiment. Je serai très heureuse de le faire. Ça me permettra de changer un peu... J'adore mes parents, mais à dose homéopathique. Ça fait du bien d'avoir de la famille qui vous entoure, mais bon,
Ta vie devient. J'avoue que j'ai pris pas mal le rythme de vivre seule. Voilà. Ben, je vous fais à tous et à toutes de gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao!